Unga Baganti. Chaud d'abord. Attentionné. Romantique. Adorable. Une petite princesse Bamina Baganti. Après le Baganti, c'est le virage. N'est-ce pas? Tu laisses le bafang à Kipé. Non, après le Baganti, c'est le virage. Après le virage, il y a le bafang bas. Dans le raveur. Alors, Iggy. Oku. Non, c'est pas le quartier. Iggy. Doudou. Bé, tu as fini là-bas. Bientôt. Fini alors, tu viens un peu. Mamou, ça va? Ça va bien? Moi, je dis, ayez vos gars bagantés dans vos vies. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Un peu romantisme, un peu. Voilà. Viens. Saute alors, saute. Ouais. Elle a seulement concentré à arriver. Viens. Ok. Assieds-toi. B. On est en reparti, on est en retard. Qui t'a dit qu'on part maintenant? Quand tu veux que je bois le texte, ça veut dire que tu vas m'amener dans la chambre. Ouais, on a encore au moins une heure de temps ici. Mais... bois d'abord. Les filles bafang. Hey! Bafang vient chercher quoi des dames maintenant? Non, j'ai pas dit que c'est pas bon à moi, mais c'est pour le travail. Heureusement que le chef là. Et en passant même. Hein, touche pas, ça chauffe. Attends, en passant même. En passant même. Oui, viens. Mon téléphone, après t'as pas le tasse. Ah. Oui. Après t'as pas le tasse. C'était prévu. Je n'avais pas prévu prendre une tasse. Non, après t'as pas de tasse. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok. Je mets l'eau dedans. Oui, l'eau chaude, non. Ça va te brûler, bébé. Ça va te brûler, soleil. Oh. Ça va te brûler. Le thé, ici, là. Quand ta femme met ça sur la table que tu bois, elle va t'amener dans la chambre. Oh là là, parce que ça a la libido, donc ça fait le corps. Le corps démange un peu là. Oh, c'est un vieux goût. Oh Seigneur, voilà. Je pose. Ok. Voilà, le tessi là. C'est. Je te dis. Coucou. Oh là là. Té extase by Karimo. C'est un couple n'a pas ça à la maison. Ah non, c'est le ndem. Voilà. Là. Oui, t'es à mat, option ventre plat. Parce que depuis quelques temps, je te néglige un peu. Voilà. Donc, tu vois comment ton ventre là. Et tout. On dit partout que t'es enceinte. Voilà. Donc, tu recommences à boire. Tu recommences à boire ton thé. Yamat, tu veux pas que tu perdes le poids. Non. Ceci là, tu bois seulement le thé soir. Oui. Pour. Perdre le ventre, oui. Ceci là, quand tu bois les deux, c'est pour perdre le poids en général, non? Oui, ton poids, s'il ne me dérange pas. Sauf que comment est le matin là? Oui, comment est le matin? Donne-moi le matin. Tu prends le matin. Tu vas boire ça le soir. C'est quoi, elle veut quoi? Bien, pardon, viens ouvrir. Action, mais c'est 10 jours. Il faut que tu recommences. C'est comment? Ma Kim Kardashian que j'ai connue là, il faut que ça revienne. Hein? Qu'est-ce qui t'amuse? Où veux-tu me mettre ici dedans? Tu vois. Il y a un petit débat là. C'est quoi? Quel débat? Un petit débat qui n'a même pas lieu d'être. Que l'autre jour, c'était même sous quelle publication? Je pense que c'est sous l'une des vidéos de l'anniversaire, non? Il en disait quoi? Il y a un gars là qui vient. Oh, j'ai mis l'eau là beaucoup. Il y a un gars qui vient, il dit que oh, je ne vous comprends même pas. Je ne sais pas pourquoi vous appelez le gars là Baganti. Il n'est pas Baganti. Bamina n'est pas dans le ND. On va dire ça comme une fois, machin.
Je suis venue en bas, j'ai dit qu'il est Mina Baganté. Donc, il est Baganté. Et si ça t'énerve trop, laisse. Laisse. Ma mère est Baganté, mon père est Bamena, et tout ça, c'est le nez. Ouais. Quand on appelle les Bouddhas, ils sont tous Bouddhas. Ouais, je suis dépassée. Même nous, comme ça, là-bas, on nous appelle les Bafas. Je suis Baganté, c'est le sang de ma mère. On nous appelle les Bafas. Tu sais comment on appelle ma mère, grand-mère, sur les fashion pour rien. Pour rien, non. Oh là là, oh là là. Laisse-les comme ça. Laisse-les comme ça. Ouais. Laisse-les comme ça. Tu sais que toi, tu nous suis même. Mais bois. Attends, ça infuse, non, bébé. Quand on met comme ça, on doit laisser même 3 minutes. Voilà. Regarde comment ça coule. Tu vois, non. Regarde comment le jus coule. Oui, ok. Ça là, c'est pour maigrir. Perdre le poids. Regardez la bosse lady. Regardez comment elle était avant. Regardez comment elle est devenue. Vous la voyez maintenant, non? Voilà. Donc le thé Yamat, c'est pour maigrir. Le thé extase. Ça, c'est pour quand tu veux tirer ton homme dans la chambre. Tu donnes la bosse à y boire. Donc, bon appétit. Si vous courez ce carré, mon empire, vous prenez vos thés, extase, yamate. Il y a même le thé, il y a même les bonbons extase pour les femmes. Oui, bonbons extase en mode ovule, quoi. Ouais. Sans ajout, hein. Sans sucre, sans miel, sans lait, rien. Tu bois ça comme ça. Sans citron, sans le monde. Voilà, tu bois ça comme ça. Mm-hmm. Tu bois ça comme ça. Et pour une énième fois, je voudrais faire la différence entre les deux thés. Ça, c'est diététique. Ah, qu'est-ce que je raconte même? Tout ça, c'est diététique. Oui. Ça, c'est diététique. Donc, ça, c'est pour la libido, comme Béa dit. Et ça, c'est pour perdre du poids. Et les deux thés sont diététiques. Voilà. Il y a les images illustratives, là. Oui. Il y a le mode d'emploi, et tout. Donc, quand tu prends... Voilà le mode d'emploi. Les propriétés, quotient, dosage, tout. Elisa, c'est... quitte là-bas. Elle a bu cracher dans ton... Elle a bu. Elle a bu comment? Elle a bu, c'était pas bon, elle a remis dans... Oui. Comme c'est pas sucré. Comme c'est pas sucré. Ah oui. C'est d'abord des... Qui t'a envoyé sur ça? C'est pas pour les enfants. Ben, on ne voit pas le temps et la cuillère. Il attend que ça refroidisse, non, je suis en train de tourner. Mais entre temps, je bois un peu, non. Après, comme ça, là. Après, je vais vider. Tu bois comment? Donne un peu, attends, je bois. Donne-moi, je bois. Comme ça. Et on boit quand ça chauffe, c'est mieux. Ouais, pourquoi tu veux me déranger? Moi, il n'aime pas ça. Non. Tu sais qu'il n'aime pas ça. Ça roule là-bas. Elisa. Ça va, moi j'arrête de filmer, il veut déjà m'énerver. Ça va alors, ça va. On ne boit pas avec la cuillère, B. Ouais. Attends, tu as dit que si tu veux boire la cuillère, bois comme ça. Hein. Oui. Mon frère. Oui. Tu bois comme un tchéré anglais, mon frère. Un tchéré anglais, c'est quoi? Hey. Non. C'est quoi? Bois. Voici comment un homme doit boire dans la tasse. Voilà pour un homme, un vrai, un mal, comme ça. C'est une blague, n'est-ce pas? Voilà. Mais là, tu sais quoi? Tu veux que je boive comment? Avec classe. Non. Oui. Je suis un télé anglais. Non, tu ne dois pas faire les manières, tu bois seulement sans bruit. Voilà comment un homme, un vrai mal doit boire. Pardon, il veut déjà déranger. Tu veux apprendre à lire. Tu as goûté, non, mon frère? Tu as dit que c'est pas sucré, non? C'est quoi? Tu veux quoi encore? Tu sais pas qui est là. Tu parles de quoi là? Oh. Amen. Ok. Assieds-toi ici. Passe alors, passe. Passe comme ça. Alors, chaque jour, on parle de bonbons extase. Mais je suis que plusieurs ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Il faut que je vous montre. Voilà, ça vous voyez bien. Non? C'est les bonbons extase. Ça, c'est pour la femme. Voilà. Maman, j'ai mis les ongles. Que maman, cela y a mis les ongles. Voilà. Voilà les bonbons extase. Voilà le bijou. Ouais. Avant d'ouvrir, je vais vous montrer ça par exemple. C'est comment on appelle ça? Les petits gants.
qu'on utilise pour insérer nos ovules où il faut. Maintenant, vous avez le mode d'emploi. Voici le mode d'emploi ici. Tout ça vient dedans. Il y a le mode d'emploi. Il y a les compositions. Comme on m'a dit qu'en même temps, ça lève la libido de la femme et ça aide aussi pour son nettoyage intime. Oui, justement, c'est ça. Et vous aurez toutes ces informations ici. Ça nettoie aussi. Oh, Elisa! Ça aide aussi la femme pour son nettoyage intime et, oui. Et ça lève la libido. Oui, et pour celles qui sont... Comment on dit ça? Les femmes frigides, c'est le mot. Oui, 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 il y a les filles frigides. Les filles frigides. Oui, oui, oui. Tu fais ça. Le kung fu, le tai chi, le taekwondo, le kachi. La femme ne ressent pas elle de plaisir. Elle ne ressent rien, oui. La femme reste comme ça, elle n'a même pas envie de faire. Elle reste comme ça, elle voit son mari, même son mari l'énerve. Oui, elle n'a pas de ça de soigne goût. Ça, ça soigne ça. Oui, ça gère tout ça. Et les filles frigides, mon frère. Oui. Camille, au lieu de frigide, elle est folle. Hey. Non, pourquoi tu dis ça? Non, ça tu sais, il y a plusieurs facteurs qui peuvent causer ça. Ça va, oui, ça va. Voilà, une femme qui est stressée, qui travaille beaucoup, une femme qui est, il y a trop. Une femme peut-être qui se nourrit mal, une femme qui, il y a trop de facteurs qui peuvent conduire à ce genre de choses-là, à la perte de l'envie sexuelle et tout. Maintenant, ça, c'est pour nous aider à faire d'abord un nettoyage. Donc, tu dois prendre le truc-ci là. Vous m'en voici un qui est déjà sorti. Voici ça. Tu mets ton doigt dedans. Le pouce, l'index. Tu mets ton index dedans comme ça, non? Voilà. Ou toucher. Parce que ce qui entre dans ton corps là, tu ne dois pas toucher. Et si quand tu envoies ton doigt là-bas, l'ongle là cale à l'intérieur, tu fais comment? L'ongle cale comment? Ça ne peut pas caler. Voilà ça. Ça chauffe. Qu'est-ce que tu montes? Ça chauffe. Maintenant, tu prends ton. Regarde, tu prends ton doigt-ci. Tu vas faire sortir. Une seule, un ovule. Oui. Voilà, ça doit être ainsi, non? Avec, quitte. Ça ne concerne pas les enfants, va t'asseoir là-bas. Maintenant, tu te couches, comme quand tu veux mettre les ovules là, non, ma. Tu te couches, tu soulèves les pieds bien, tu écartes là. Tu mets ça là-bas, où il faut, là, loin dedans, là, non? Tu laisses là-bas. Et donc, ça lève l'appétit sexuel de la femme et ça la nettoie aussi. Oui. D'accord. Ok. Mais on sera en retard. Tu sais que tu après, tu jettes ça. Tu m'as d'abord donné le devoir à faire à la maison tout à l'heure. Et il faut qu'on sorte. Oui, on part. Ok. Hey, Denis, bon, qui, la famille, je vais vite boire le thé ici. Là, je remplis mes obligations et on sort pour aller chercher l'argent. On part. Bon, on dit bye-bye. C'est ça. Tu sais que c'est quoi? Dis bye. On dit bye-bye. Je crois que c'est le jouet. Soleil. Dis bye, on part. Dis bye alors. Dis bye. Elle a commencé ses caprices comme sa mère. Bye. Comment ne pas trouver son compte avec toutes les gammes? Comment ne pas trouver son compte avec tous les produits? Karimbo puis la pensée à tout le monde. Enfant, personne sachez la pensée à tout le monde. Devient plus belle avec Karimbo. Tu seras toujours la plus belle.